c'est la stupeur et la consternation à Arras. J'attends après ma fille, qu'elle est en cellule de psychologie. Nathalie Fouda attend qu'elle sorte du lycée, qui est juste derrière les policiers et les barricades. Sa fille l'a appelée ce matin vers 11h de l'école, la terreur dans la voix. J'ai peur. Maman, on est cachés, il faut qu'on se cache. J'ai qu'une hâte de récupérer ma fille, j'ai qu'une hâte. L'attaque est survenue quand un ancien élève s'est introduit dans l'enceinte du lycée en plein centre-ville. Je suis arrivée, moi je croyais que c'était un nouveau surveillant, donc je me suis dit, bah, c'est pas grave. Puis Lydia a dit qu'elle a réussi à s'enfuir en courant, alors que des profs tentaient de le maîtriser. Puis après, il a sorti son couteau. C'est en criant « Allah Akbar » qu'il a poignardé à mort un professeur de lettres, puis agressé au couteau deux autres employés qui reposent ce soir dans un état critique. La barbarie du terrorisme islamiste. Un enseignant a été tué. Il y a deux blessés en situation très grave qui sont en train de lutter contre la mort. Le président Emmanuel Macron s'est précipité sur les lieux alors que l'enquête a rapidement mené à l'arrestation de plusieurs proches du suspect principal. Il s'appelle Mohamed M. Il est un Russe. Il était fiché pour radicalisation et avait subi un contrôle la veille des autorités policières. Nos renseignements, d'après nos informations, il y a un lien, malheureusement, entre ce qui s'est passé sans doute dans le Proche-Orient et le passage à l'acte. Emmanuel Macron a d'ailleurs confirmé qu'au moins un autre attentat a été déjoué en France aujourd'hui, mais il lance un appel au calme. Le choix est fait de ne pas céder à la terreur, de ne rien laisser nous diviser. Car le lycée d'Arras a décidé de rouvrir ses portes dès demain pour les cours du samedi, malgré le choc. Nathalie a fini par retrouver sa fille, mais dans un climat de haute tension. Ce soir, la décision a été prise de lever le niveau d'alerte dans toute la France à urgence attentat, le plus élevé au pays pour lutter contre toute menace terroriste. Ici Tamara Alterescu, Radio-Canada, à Arras.